Salut tout le monde, c'est Oko. Dans cette vidéo, on va continuer la série des combos les plus puissants faits par deux champions. On commence tout de suite avec le numéro 1. On va avoir besoin pour ce combo de Thresh et de Skarner. L'idée est que Skarner lance son ultime et prend la lanterne de Thresh pour ramener la victime très loin de son équipe pour l'isoler et la tuer tranquillement. C'est très fort et ça m'étonne que ça fonctionne. Numéro 2. Bon, celui-là est très connu et se fait avec plein d'autres champions. On va avoir besoin de Yasuo et de Malphite, mais ça marche avec plein d'autres champions. Vous avez sûrement déjà compris, on va simplement faire l'ultime de Malphite dans le tas pour projeter les cibles en l'air et Yasuo va donc pouvoir faire son ultime et détruire toute l'équipe adverse. Numéro 3. Pour ce combo, il va nous falloir Yorick et Panthéon. Lorsque Panthéon lance son ultime, Yorick va faire son mur qui entoure la cible pour qu'elle soit bloquée et Panthéon va pouvoir lui sauter dessus sans aucun problème et faire énormément de dommages. Numéro 4, Veigar et Urgot à la botlane. Ce combo est extrêmement fort au niveau 6, on va utiliser notre ultime avec Urgot et Veigar va alors pouvoir préparer ses sorts normalement difficiles à placer sans aucun problème grâce à l'ultime de Urgot. Et on va donc pouvoir faire énormément de dommages, c'est un kill instantané au niveau 6. Numéro 5, et le dernier, un de mes préférés qui fonctionne aussi avec d'autres champions, il nous faut Syndra et Zilean. Le but est de placer une bombe sur une unité ennemie qui peut se faire prendre par le Z de Syndra. Donc un sbire, un monstre neutre dans la jungle, une tourelle de Heimerdinger, etc. Puis on le lance dans le tas et il y aura alors les dégâts du Z de Syndra et de la bombe de Zilean qui peut vraiment surprendre l'équipe adverse. Donc voilà, c'était l'épisode 2 des 5 combos les plus forts et fun à faire sur LoL. Si vous voulez un épisode 3, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou un like, ça m'aide énormément. Merci beaucoup et à la prochaine. Ciao.